Yon ne pas pour nous dire que c'est que route là l'a amélioré. OK? Et route là a amélioré. Et moi c'est que et si travail va continuer à rythme qui a continué comme ça là d'ici un an maximum et quand son route Kafoujof et Port de Péa il t'a supposé fini net. OK, route là a amélioré. OK? Et de 6h du soir à 11h30, faut prendre dit nous que me fait deux escales. Nous faisons escale d'abord c'est marrant et dans la Tibonite. Nous faisons deuxième escale la Kaino et dans Gonaïve. Côté de passer un petit temps avec Famino plus l'autre monde qui sous quartier la Kaino. Et puis ensuite moi aller et bassin bleu. Donc là dit que route là a amélioré, ça c'est premier constat, c'est le premier constat qu'une défaite nous-mêmes et équipe Martin Débat. Là, nous avons Bassin Bleu, nous devons que c'était une commune qui était en fête, qui a fêté. Parce que très tard, tout le monde était dans la rue et était gain courant et dans la ville là. Et tout le monde t'attend émission Martin Débat. Il y avait deux grandes affiches qui étaient marquées fête Saint-Georges dans Bassin Bleu. D'abord, Mascompa, et qui était joué dans Fond Papay, et puis Wuchel. Et qui déjoué donc également dans Fond Papay, mais pas de gain activité culturelle dans mi-temps et ville bassin bleu même. Ordinairement toujours gain festival, mais en ça pas de gain festival donc qui était manqué donc fête Saint-Georges donc dans bassin bleu. Bon, là nous arrivé et l'accueil a été très chaleureux et des campus amis qui étaient sortis Gaumont et qui étaient sortis Chanson, qui étaient sortis Jean Abel et Port de Paix qui devine accueilli recevoir donc le Côte d'Azur. Et c'était une ambiance très amicale. Et moi-même, le co-désir, permettant à tout avec toute l'équipe, nous étions ensemble pendant toute soirée dimanche. Non? Donc, pour nous, tu es capable de planifier. Donc, émission que nous avons gagnée hier matin. Donc, KMEO et donc sous Radio Éclair. En fait, c'est comme ça. Nous avons dormi. Et puis, demain matin, nous avons dit que toute délégation, tu es en pile délégation, tu es sorti de tous côtés, des parlementaires et des magistrats, des maires qui sont dans d'autres communes, qui deviennent fêter avec. Magistrat et bassin bleu qui c'est monsieur Anthony et Anthony Maniga, OK, qui lui même qui était là qui était présent. Et ben il était prêt à le faire 9h dès que toute équipe est matin débat. Nous t'ai quitté côté de hier. Et ben nous t'allé Kaimeyo et puis c'est là que nous t'a fait dernière planification, dernière mise au point sur le plan technique pour être capable de déraper avec émission matin débat. N'a profité remercier et vraiment, donc, équipe Natcom, ingénieur Woodley et Gélin, donc, équipe Natcom, qui t'a fait vraiment le nécessaire, qui t'a permis que nous t'ai gagné une ligne Internet, OK, et que nous t'ai vraiment apprécié, et nous t'ai gagné une Internet par fibre optique. Donc, sauter avec émission t'es clean, Jean-Claude t'es clean, non, à partir de Bassin Bleu, sonorisation, et Jean-Claude t'es propre, Jean-Claude. Où tu es venu hier matin, c'est comme si tu étais dans ça la première, tout le monde ça la justement, Internet non, très bon. On a dit merci encore donc, à toute l'équipe de Natcom qui te permet que l'équipe Matin Débat te joigne et facilite donc technique ça. Et hier matin, éclair. Donc hier matin, eh bien, nous avons une chance pour nous attendre, en fait, tout intervenant. Et il y en a un nous avons eu comme invité de marque. C'est l'ancien Premier ministre Enek Jean-Charles. L'ancien Premier ministre Enek Jean-Charles, l'aile dérivée dans la salle-là, il faut qu'on dise que c'est un aigle qui était très détendu, et qui était très relax. Et il était en chemise avec un jean, et monsieur était vraiment donc, paré pour participer donc, à l'émission Matin Débat. Et il était grand-pile l'autre monde tout qui était dans la salle-là qui était content, ouais, donc l'ancien Premier ministre Enek Jean-Charles. Et avant même, nous t'es et recevoir en fait en onde une fois, il va parler. Donc après que le film qui était primature là, et avec l'ancien Premier ministre Enek Jean-Charles, nous sommes rentrés dans le débat. Alors ce qui est surtout important, c'est que Matin Débat, ce n'est pas une émission nous avons fait, côté que c'était un exposé que nous avons fait. C'était émission Matin Débat. Il faut dire que pendant que nous portons de paix, pendant que nous débat Saint-Bleu, Esaïe César, lui-même était Port-au-Prince. Et il y en a plus gros scoop que le débat nous hier, c'était pendant qu'il était dans la rue, dans une nasaline qui était bloquée, Esaïe César était vraiment tout fait, tout le monde connaît dans le pays, ça a passé par le passé. Pendant que nous-mêmes, nous étions bassin bleu,
n'a fait monde connaît ça qui a passé bassin bleu. Donc hier professeur Enek Chanchal fait une grosse déclaration dans le pays. Alors cela nous dit que et n'a pas remercié l'équipe Gazette Haïti. Il y en a pas pour nous dire que c'est que et route là l'a amélioré. OK? Et route là a pas amélioré. Et je pense que et si travailleur a continué à rythme qui a continué comme ça là d'ici un an maximum et tronçon route Kafoujof et Port de Péal il t'a supposé fini net. OK, route là a pas amélioré. OK? Et de 6h du soir à 11h30, il faut que je dise que je fais deux escales. Je fais escale d'abord, c'est marrant, et dans la Tibonite. Je fais deuxième escale à Kainou et dans Gonaïve. Je fais une dépassion de temps avec Famino plus l'autre monde qui est sous quartier à Kainou. Et puis ensuite, je vais aller et Bassin Bleu. Donc, elle dit que la route là a amélioré, ça c'est le premier. Constat, c'est le premier constat qu'une défaite nous-mêmes équipe et matin débat. Là où nous vivons Bassin Bleu, nous devons que c'était une commune qui était en fête, qui a fêté. Parce que très tard, tout le monde était dans la rue et était gain courant dans la ville là. Et tout le monde t'attend émission matin débat. Tu as deux grandes affiches qui étaient marquées fête Saint-Georges dans Bassin Bleu. D'abord Mascompa, et qui était joué dans Fond Papay, et puis Wuchel. Et qui était joué, donc également dans le fond papaï, mais pas de gain activité culturelle dans le mi-temps et ville Bassin Bleu même. Ordinairement, toujours gagné un festival, mais en essayant pas de gagner un festival, donc qui était marqué, donc fête Saint-Georges, donc dans Bassin Bleu. Bon, les nous arrivés, et l'accueil a été très chaleureux, et des campus amis qui étaient sortis Gaumont, et qui étaient sortis Chanson, qui étaient sortis Jean Abel, et pour le père qui devine accueilli, recevoir, donc le co-désir. Et c'était une ambiance très amicale. Et moi-même, Louko Désir, permettant à tout avec toute l'équipe, nous étions ensemble pendant toute soirée dimanche. Non? Donc, pour nous, tu es capable de planifier. Donc, émission que nous avons gagnée hier matin, donc, KMEO, et donc, sous Radio Éclair. En fait, c'est comme ça. Nous avons dormi. Et puis, demain matin, nous avons dit que toute délégation, tu es en pile délégation, tu es sorti de tous côtés, des parlementaires, et des magistrats, des maires, qui sont dans d'autres communes, qui deviennent fêter avec. Magistrat et Bassin Bleu, qui c'est M. Anthony et Anthony Maniga, okay? Qui lui-même qui était là, qui était présent. Eh bien, il était prêt à le faire 9h, dès que toute équipe est matin débat, nous avons quitté côté de l'IA, eh bien, nous sommes allés à Kaimeyo, et puis c'est là que nous avons fait dernière planification, dernière mise au point sur le plan technique pour nous être capable de déraper avec l'émission matin débat. Nous avons profité de remercier. Et vraiment, donc, équipe NATCOM, ingénieur Woodley et Gélin, donc, équipe NATCOM, qui t'a fait vraiment le nécessaire, qui t'a permis que nous t'ai gagné une ligne Internet, ok, et que nous t'ai vraiment apprécié, et nous t'ai gagné une Internet par fibre optique. Donc, sauter avec émission t'es clean, Jean-Claude t'es clean, à partir de Bassin Bleu, sonorisation, et Jean-Claude t'es propre, Jean-Claude. Où tu es joué hier matin. On a dit merci encore donc, à toute l'équipe de NATCOM qui te permet que l'équipe Matin Débat te joue une facilité donc, technique. Ça. Et hier matin, éclair. Donc hier matin, eh ben, nous avons eu une chance pour nous attendre en fait tout intervenant. Yo. Et il y en a un nous avons eu comme invité de marque, c'est l'ancien Premier ministre Enek Chanchal. L'ancien Premier ministre Enek Chanchal, l'aile dérivée dans celle-là, il faut qu'on dise que c'est un aile qui était très détendu, et qui était très relax. Et il était en chemise avec un jean, et monsieur était vraiment donc, paré pour participer donc, à l'émission Matin Débat. Et il était l'autre monde tout qui était dans celle-là qui était content, ouais, donc l'ancien Premier ministre Enek Chanchal. Et avant même nous recevoir en fait en onde, et bien, dans les coulisses, il dit nous, Louko, vraiment, c'est la première fois. Il va le parler, donc après que le film qui était primature là, et avec l'ancien Premier ministre Enek Chanchal, nous sommes rentrés dans le débat. Alors, ce qui est surtout important, c'est que Matin Débat, ce n'est pas une émission que nous avons fait, côté que c'était un exposé que nous avons fait. C'était émission Matin Débat. Il faut dire que pendant que nous portons de paix,
pendant que le débat Saint-Bleu, Esaïe César, lui-même était Port-au-Prince. Et il y en a plus gros scoop que le débat non hier, c'était pendant qu'il était dans la rue, dans son Nassaline, il était bloqué. Esaïe César était vraiment tout fait, tout le monde connaît dans le pays, ça a passé Port-au-Prince. Pendant que nous-mêmes, nous étions Bassin Bleu, nous avons fait le monde connaître ça a passé Bassin Bleu.